Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure sur Death Stranding. Et bonne année. Bonne année à vous tous, bonne année 2020. J'espère qu'elle sera meilleure, quoi qu'il arrive, que votre année 2019. C'est parti, direction le monde des échoués de notre côté. Bah parce que Sam Porter est quand même dans une sacrée merde. Il doit peut-être sauver le monde, ou en tout cas sauver des gens. Allez, on est reparti. Souvenez-vous, on devait livrer des bots qui permettraient de faire des livraisons automatisées. Donc c'est parti, on va les livrer. On avait construit une portion de route. Néanmoins, oh là là, j'ai pas pris le temps de construire l'autre portion. Je le ferai en off, c'est pas le problème, on a assez de matos. L'important c'est qu'on avance et qu'on continue tous ensemble. Et peut-être que on n'aura plus jamais à reprendre la route qu'on va traverser. Même si je doute quand même à ce sujet là. Quoi qu'il arrive, j'espère évidemment que vous avez passé une bonne année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et votre famille, vos proches et tutti quanti. On est parti pour une nouvelle année en espérant qu'elle soit, quoi qu'il arrive, même si vous avez passé une très bonne année 2019, hein, on espère quand même que 2020 soit meilleur dans tous les domaines. Et moi, pour le coup, 2019 était une très bonne année. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu votre année, comment ça s'est déroulé. Mais vraiment, 2019 était une très très bonne année pour moi. Et j'espère que 2020, écoutez, sera meilleur à tous les niveaux. Voilà, parce que on n'en a jamais assez. Voilà, et on en veut toujours plus. On n'en a jamais trop, comme on dit. Donc c'est parti, on va faire attention. Alors, pas de danger, eux, ils sont hors route. D'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent... Je me pose cette question, mais est-ce qu'ils peuvent aller sur la route? Oh là, je vais pas le comprendre. Waouh! Ça, c'est fort, par contre. Ça, c'est... attention, œil de lynx, le frérot. Hein. Ça, c'est très, très fort. Je m'y attendais pas pour le coup. Donc, on continue la route, regardez. Non, mais attendez, elle a été faite, la route, en fait, suivante, je crois, non? C'est bizarre. J'ai l'impression que ça a été fait, cette connerie. Alors, on en est à où? Moi, je dois aller... Attendez, attends, stop, ça roule tout seul, c'est quoi ces conneries? Centre de distribution, mais c'est là que je dois aller. 1400 mètres, mais attendez, on va jamais y arriver, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? What is the fuck, certains diront. Bougez pas. Laissez-moi le plan, oui, tout à fait, oui. Ok, c'est par là. Oui, bon, en fait, tout est littéralement pas... Oh, on a quelque chose là-haut. Commande disponible 4 et commande en cours 1. Ok, j'aurais peut-être dû regarder les autres commandes disponibles pour le coup. Bah, c'est pas grave, direction quand même 1400 mètres. Pas faire de hors-piste. J'ai l'impression que cette route a déjà été faite. Incroyable. Vous avez quitté le réseau d'alimentation, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis suffisamment rechargé. Là, c'était de quoi recharger la route. Non, mais toute la route a été faite. Attendez, je vais où, là? Il n'y a pas d'issue, finalement, là-haut, quand on y pense. C'est très bizarre. J'ai peur. Ok. À droite, il me semble que j'y suis déjà allé. Il y a de la brume, mais qu'il n'y avait pas avant. C'est incroyable. En tout cas, ça fait trop stylé, la route. Je crois qu'elle peut se dégrader. Je suis pas sûr. On a le pont, celui-là on l'a déjà pris, c'était un calvaire. Très très bien. 800 mètres maintenant. On va suivre la route, on continue. C'est une très belle route par contre. Laissez-moi vous dire... Oh putain, je vais être opéré. Ah ouais, c'était sûr. Pourquoi j'ai eu un boost? Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Non? Pourquoi j'ai eu un boost? Oh, il y a des carrefours et tout! Trop bien. Ok, là, il y a une partie de... une portion de route à refaire. Et là aussi. Très bien. Donc, je repasserai ici même pour tenter de terminer ce portion de route. J'ai l'impression que c'est dès que je passe sur un panneau accéléré. Incroyable. Tout va très très vite ici. Allez, on est bien. On est bien. Est-ce que je suis déjà allé par ici? Hop, s'il vous plaît. Hop, voilà. 500 mètres. Cette route va être remplie de problèmes. Je le sens gros comme une maison. J'aime pas trop ça là, pour être honnête avec vous. Hop, je tente un raccourci, les gars. Ah, cascade! Voilà, on commence 2020 sur des petites micro-cascades. Ok, on a quelque chose. C'est pas mal ça. Allez, je prends. Ça, hop, je peux vous dire qu'on en a jamais trop pour le coup. Voilà. On se casse. Hop. On a quelque chose ici, pas... Oh, attendez.
Tiens, 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 qui voilà-je ? Je commence à maîtriser, hein, la moto, vous avez vu, hein ? Ah bah, 2020, on passe des permis, hein. Oh putain, par contre, ça va être la sauce. Très chiant. Ok. Hop. Très, très bien, ça. Très, du vin, on se tient, en plus. J'adore le vin. Allez, on y va. Dites-moi aussi, tiens, ça m'intéresse. Parce que, évidemment, je parle beaucoup en live, tous les soirs à 19h sur ma chaîne Twitch. Mais je suis quelqu'un de très intéressé par vos résolutions. Voilà, quelles sont vos résolutions? Alors évidemment, si vous estimez que il faut pas le dire, dites-le pas, hein, on va pas vous forcer. Mais n'hésitez pas à partager un petit peu vos résolutions. Moi, vous savez quoi? Je vous partagerai ça dans une vidéo. Peut-être pas Star Wars parce que ça bouge un peu de tous les côtés. Mais pourquoi pas Days Gone? Quoi qu'on ait à la fin, ça peut aussi swinger. Hop, je tente des trucs. Il y a rien qui va. Hop, c'est bon les gars, it's ok. Il y a rien qui va, mais tout est bon. Oh, bricoleur. Ok, pas mal de trucs intéressants. Vraiment pas mal de trucs intéressants. Ah, s'il te plaît. Oh non, frérot. Je peux plus. Attends, qu'est-ce que c'est? Supercherie, enfer et damnation. Bougez pas. Je crois que je ne peux plus. Oh, je peux pas le prendre. Eh bien, tant pis. Un peu déçu. Bon, c'est à côté de là-bas, ça va, mais... Ouais, j'avoue que c'est haut, quand même. Ok, attendez, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On va passer par là. Ça m'a l'air un petit peu plus bas. Ça m'a l'air d'être dans les normes, ça, hein. Voilà. En plus, et conception japonaise, la moto. Hop, hop. Voilà, hein. Au moins, on rigole. Ok, c'est bon, c'est pareil, ça. Allez, on y va. On va tout déposer, hop. Ça secoue un peu, mais it's ok, les gars. Je connais bien. Tout va bien. Allez. En plus, on va se connecter au réseau qui râle. Ça, c'est pas mal. On y est. Pas de tracas sur la route, même si c'est pas à côté, il faut le dire. Allez, on va tout redonner. Bon. Faire une livraison. Eh ben, c'est parti. 3 colis sur 3. Aucun souci, livrez les 3 caisses contenant le prototype de bot. C'est vous, ça, porteur, alors? On vous attendait. On nous a dit que vous nous aideriez aussi à tester. On dit bonne année, hein. Mais avant ça, voyons comment elle va. Ça va. Joli comme un cœur. Rien à signaler. Allez, c'est fait. On est parti, on a livré les 3 colis. Bon, ça, c'est un rang S. Enfin, je veux dire, je vous ai toujours habitué à du S. Ben oui, mais on va pas changer en 2020. En 2020, on vise l'excellence, évidemment, d'accord? Très bien, ça, 2 étoiles et demie. C'est très, très propre et on en est tous très heureux. Volume de livraison plus 3, c'est pas mal. On passe peut-être un nouveau grade, qui sait? Même pas. Ces bots ne sont pas conçus pour opérer hors de la zone couverte par le réseau. Alors commençons par connecter le centre de distrib. Par contre, ça me fait peur quand je vois toutes les zones qu'il y a à faire après. Par contre, on a bien avancé. Ça, c'est très, 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 très cool. Bot de Bridges de niveau 2. Ça, c'est cool aussi. On va en faire direct. Très bien. Cette zone est désormais connectée au réseau. J'ai l'impression qu'on va jamais voir le bout de tout ça. Oh, il est beaucoup plus beau. Je vais commencer les préparatifs des tests. Vous restez là et attendez que le siège vous solde. Bon, merci beaucoup. Oh, Sugoi! Les bots peuvent maintenant entrer dans la dernière phase de test. C'est moi qui les ai conçus, vous savez. J'espère qu'ils allégeront un peu votre charge de travail. Contrairement aux porteurs humains, s'ils sont détruits, ça ne causera pas de néantisation. Avant que le Death Stranding ne se produise, les scientifiques craignaient l'apparition d'une singularité. La possibilité que quelqu'un crée une IA plus intelligente que l'homme. Mais ce n'est jamais arrivé. Les machines ne provoquent pas de néantisation. Elles ne meurent pas,
Par conséquent, elles n'ont pas de grève. Malgré tous les progrès qu'elles pourront faire, les machines ne comprendront jamais la mort comme nous. Et c'est pour cette raison-là qu'elles ne nous surpasseront jamais vraiment. Accédez au terminal de livraison. Je vais vous expliquer comment les utiliser. Et ne vous en faites pas, je garderai un œil sur ce qui se passe d'ici. Oh là là, encore un truc en plus à rajouter, c'est terrible. Allez. Ces bots de livraison autonome ont été conçus pour traiter certaines commandes à votre place. Les commandes les plus rudimentaires uniquement. Regardez ce qui est disponible. Ok. Donc... Les marchandises transportées par bot risquent d'être un peu malmenées si la route est en mauvais état. A l'inverse, un bot qui circule sur une route bien entretenue a plus de chances de livrer des marchandises en bon état. Et bien plus rapidement, vous vous en doutez. Pensez-y quand vous les mettrez au travail. Ouais, pense à tout ce que j'ai à faire pour refaire les routes. Les gars, putain, je refais les routes de la ville et tout, j'ai rien à foutre. Allez hop, j'envoie le bot, rien à branler. Non mais attends, tu dois refaire toutes les routes du monde. Tu dois tout faire. Allez, dégage. Putain, ça ressemble à quoi d'ailleurs ça? Oh bah c'est que des jambes. Ah non, des jambes et une tête. Oh, il va te bombarder ce bâtard. Il est à moitié en train de canner le bordel, putain. On dirait qu'il gueule, même lui il est pas content. Mais ouais, mais même lui il fait les gars, attendez. On est où là? On n'a plus qu'à attendre que le bot de livraison atteigne sa destination. Pour le moment, il n'en existe qu'un seul exemplaire, mais si le test est concluant, on lancera la production de masse. De cette façon, vous pourrez les affréter vous-même. Ah, j'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans ma bouche. On a réussi à assembler un autre bot de livraison pour le tester sur le terrain. À vous de choisir comment l'utiliser. Oh. Désolé, le bébé fait encore des cires. Okay. Merci, Sam. On se reparle plus tard. Très bon boulot, Sam. Ces bots de livraison autonome, c'est une sacrée aubaine pour tout le monde. Des habitants des villes et des stations aux prépeurs qui vivent au milieu de nulle part. Mais vous devez être à bout de force. Pourquoi ne pas faire une pause? Je suis sûr que ça ferait du bien à votre bébé aussi. La chambre privée vous attend. En vrai, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon, hey, s'il insiste, c'est qu'on sait qu'il va se passer sûrement quelque chose. Donc, allons-y, évidemment, faire une petite pause. Peut-être une surprise nous attend. À la coquine. Désolée, je voulais pas vous surprendre. Vous dormiez quand je suis arrivée. Merci pour la douche. Y'a pas de quoi. Écoutez, il faut que je vous demande. Il y a pas mal de rumeurs à votre sujet. Elle est de mèche avec X. Méfiez-vous d'elle. C'est juste une gourde de plus à cette fée à voir par Higgs. Une véritable héroïne, cette femme. Dites-moi, Sam, qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique pour vous? Si on se fie à ce qu'en disait mon père,
c'était plus qu'une nation. Le mortier qui assemblait tout le reste. Elle incarnait l'espoir. Et des valeurs comme la liberté. Il fallait qu'on lui redonne vie en continuant à relier ses habitants grâce à nos livraisons. Il en était sûr. Sa mort m'a totalement dévastée. C'est là que Higgs en a profité. Ensemble, on peut transporter les colis d'un bout à l'autre du continent. À l'époque, il avait le monopole de tout l'Ouest. Un partenariat était censé nous rapporter à tous les deux. Au début, les affaires ont bien marché. Et puis, l'an dernier, quand ces fanatiques ont commencé à tout foutre en l'air, ils ont décidé de pirater notre système. Ils sont parvenus à s'emparer de nos passes de sécurité, ils s'en sont servis pour s'introduire dans les villes. Et en un rien de temps, on s'est retrouvés à livrer des armes et des bombes au lieu de médicaments, sans même que je le sache. On était des rouages dans une machine terroriste. C'est X qui avait monté le coup. Pour couronner le tout, il a mis la main sur une vieille bombe atomique. Et moi, je l'ai transportée en plein cœur de la ville relais médiane. Vous voulez dire que... Oui. C'était ma faute. Je l'ai fait sauter. J'aurais pu éviter ça si j'avais vu plus loin que le bout de mon nez. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher que la ville relais du Sud soit détruite. J'ai essayé de sortir la bombe de la ville. Mais Higgs avait un coup d'avance. J'en ai payé le prix fort, et plus encore. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Quant au temps que j'avais devant moi, la pluie me l'a pris. Voilà, vous savez tout. Tout ce qu'on dit est vrai. À part, bien sûr, ce qui ne l'est pas. J'en ai vraiment rien à faire de Bridges, ou bien de l'intégrité de l'Amérique. Mais il n'est pas question que je laisse ce sale enfoiré de Higgs et ses terroristes chier sur l'héritage de mon père. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Alors, vous me faites confiance. Je serai là pour vous, Sam. Il vous suffira de m'appeler. Ok. Mais alors attends, il y a un truc que j'ai pas pigé. Je l'appelle... faire un saut avec Fragile. D'accord, écoutez... On va pas prendre une douche ni rien, mais j'ai bien envie, j'ai la curiosité là, tu vois. J'ai bien envie de voir ce que ça peut faire. Si j'essaye maintenant, qu'est-ce que ça fait en fait? Ah! Sugoi! Alors attendez. D'accord, ça c'est pour retourner carrément... Ah oui! Dans la région orientale. D'accord. Ok, donc pas très intéressant, on va pas l'utiliser. On va pas l'utiliser. Pas besoin de se laver, je trouve, parce que j'ai rien fait, en fait. J'ai strictement rien fait qui nécessite de se nettoyer ou autre. On va direct passer à la livraison suivante, en espérant avoir un petit peu le temps de la faire quand même dans cet épisode, ce serait sympa. Oh bébé! Ah, peut-être qu'on va avoir un petit flashback. Oh oui! Ok, donc de toute évidence, il fuyait quelque chose, quelqu'un. Ok, bon. Alors, dites-moi tout. On va Bonjour, se faire des bottes Sam. De niveau 2. Les nouveaux sites que vous avez réussi à rattacher au réseau nous ont permis de reconstituer plus d'archives. Malheureusement, je n'ai toujours rien trouvé concernant l'origine des bébés. Aucune explication. Et je n'ai pas réussi à débloquer l'accès au rapport de service du BB-28.
Si j'arrivais au moins à lever cette barrière, je serais peut-être en mesure de comprendre et de vous dire pourquoi vous avez eu ces visions étranges. Allez, je m'y remets tout de suite. Faites donc de même. Il nous appelle pour nous dire qu'il nous apprend rien. Sam, consultez le terminal pour voir vos commandes. Oui bah les gars, merci, je suis pas teubé. Bon bah c'est parti, commande suivante, mais avant cela, nous allons rendre quelques Nix, commandes tout de même. Fragile. Encore en train de m'espionner. Tout est dans les infos de vos menottes. Et avec l'aide du réseau Kiral, on a été en mesure de restaurer les archives régionales de la ville relais médiane. Les rapports obtenus confirment son histoire. J'ai pas besoin de vous pour différencier le vrai du faux. Ça s'entendait dans sa voix. Cette espèce de salaud l'a bien entubé. Alors, vous allez bien vouloir travailler avec elle maintenant ou quoi? Bonne nouvelle, Sam. Le bot que vous avez envoyé est bien arrivé à destination. Le test est une réussite. Je vous en ai préparé un autre. Vous pouvez le prendre, avec mes remerciements. Ok, alors, déjà faire une livraison, livrer la marchandise perdue. On va choisir ça et ça. Et hop, voilà, on est bon, aucun problème. Ça c'est direct compris, ça va nous alléger un peu. J'ai encore quelques grenades sur moi. On va évidemment garder. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de garder quelques grenades. Je pense que ça va nous être utile si on traverse des échoués. Allez, bonne chose de faite. Hop, ça régale très vite. On s'en fout. C'est pas très intéressant. Alors, déjà, voilà ce qu'on va faire. On va recycler. Non, pardon, my bad. Là, je fais n'importe quoi, ça va pas. On va fabriquer. Voilà. Des bottes de niveau 2, on va en faire 2, tout simplement. Hop, deux bottes de niveau 2. Une que je vais évidemment mettre et une que je vais garder sur moi. Allez, ça c'est fait. Deux bottes de niveau 1, ça dégage, je veux plus en voir. L'image. Oh, merci beaucoup pour ces bottes. Mais ça va me servir à rien, je suis morte. Voilà, toujours remercié évidemment par la présidente. Ok, alors, on est parti, accepter des commandes. Encore une chose. Un nouveau type de livraison vient juste d'être créé. Ok, livre à vos exploits ne sont pas passés inaperçus, vous êtes très demandé. Par conséquent, il est maintenant question d'offrir un service premium. Ouais, ça va, gros. Ajouter des restrictions supplémentaires à vos commandes peut vous sembler contraignant, mais si vous réussissez, votre réputation grandira encore plus. Donc, si quelqu'un vous demande d'effectuer une livraison en un temps limité, vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer un délai encore plus court. Et si vous arrivez à tenir ce délai, vous obtiendrez une meilleure évaluation. Si vous vous sentez d'attaque pour relever le défi, tentez le coup. Ouais, calme-toi. Attends, je vais avancer un peu, moi, frère. Très bien. On a quoi pour les bottes? Ça peut être pas mal, ça. Raison de matériaux. Allez, hop. Allez. Ça dégage. Voilà. Lui, il se casse. Va livrer. Régale-moi. Oh la vache. Solide, hein. Ah, il chante. Trop bien. Ok. Merci pour votre contribution. On va prendre cette fois-ci nos commandes. Accepter des commandes pour Sam. Alors. Livraison. Oh putain. Shit, here we go again. Ok, on prend. Bien sûr qu'on prend, on n'a pas trop le choix de toute façon. Let's go. Alors. Oh, là on me demande de me préparer. J'en ai déjà un. J'en ai deux encres, j'ai deux échelles. On est très très bien. Normalement on est très très bien. J'ai toujours été quelqu'un de très prévoyant. Oh, bien, Daniel. Sam, parfois d'autres porteurs vont ramener des véhicules de Bridges au garage. Trop bien. Ils sont à tout le monde. Alors surtout, n'hésitez pas à les utiliser. Mais c'est génial! Mais j'en ai pas besoin, j'ai déjà le mien. Allez, ça dégage. Je sens que quelque chose va me... Tu vois? Va me chicoter. Commande attribuée. Bon. C'est léger, j'aime pas trop ce qui va se passer. J'ai un peu peur. J'ai des doutes. Le doute m'habite. Je vais être très honnête avec vous. Alors! Bah oui, il faut aller à gauche. Ça va être la catastrophe, ça. Oh là là, station météo... Forcément une station météo, bah oui, bah c'est en hauteur. C'est en hauteur. Ok, combien de mètres? Combien de milliards de mètres? On va essayer de faire un maximum. Oh, 1000 mètres! En vrai, it's ok. It's ok, je connais bien. Ok, là on a des métaux.
on va le faire à pied. Ouais, on va le faire à pied. Je connais bien, mais on va le faire à pied. Hop, ça c'est pris, ça. Ça c'est pris, on va réorganiser vite def. Voilà, regardez-moi ces mécanismes, s'il vous plaît. Ça force le respect ici. Ah non, mais on va tout simplement le faire à pied en fait. On est juste des merdes. Ah ouais, y a pas de route, y a rien, frérot. Des merdes. Comme ça que ça se passe chez McDonald's. Voilà. On va encore réorganiser un marché. Oh, ces mécanismes. Je m'étonne toujours à chaque fois que je vais dans le menu. Non, par contre, pour le coup, autant le jeu est magnifique et tout ce que tu veux, mais... Ah oui, il y a des échelons là-haut. On les voit. Hein. Oh, peu cher au bonne mère. Hein. On les voit d'ici. Hein. Mais autant, les menus Hideo Kojima, il a fait tellement compliqué. Il a été cherché tellement loin. Qu'est-ce qu'on a là, d'où Jésus? Je prends ça. Je prends. Bon. Attends, on va peut-être arrêter de prendre. Ok, on va passer par ici. Tiens, j'ai repéré mon petit caillou, là, tu vois. Oh, GG, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette région? Oh, catastrophe. Aïe! C'est rien, c'est des bottes de niveau 2 qu'on a là. Oh. Manque... Voilà, j'allais dire manque plus des échoués, on est bon. Et ben voilà. Je reconnais ça. Tu reconnais ou pas? Moi je reconnais, moi, c'est la merde. On va essayer de se dépêcher. Voilà. Ouh. Oh là là, déjà! Ah, catastrophe! Bon! Eh bien, vous savez quoi? On va tout simplement... Oh putain, je vais réussir à le trouver, ce menu. Non, c'est pas vrai, c'était le dernier. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh. Non. Non, c'est là. Changement de page, s'il vous plaît. On va tout simplement s'arrêter là. Eh oui. Eh oui, les amis. Allez, on avance un peu, quand même. J'ai la curiosité du... Tu vois. Hop, cascade. Un ici, très bien. J'ai énormément peur. Mais bon, je fais comme si, finalement, vous savez. Oh, j'allais pas dans la bonne direction. C'est ma direction. Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Oh, oh. Si on se démerde comme on peut, hein. Ok. En vrai, ça me paraît pas mal, non, tout ça, là? Vous, ça vous paraît comment? Caliente ou pas? Oh, ça me paraît pas mal du tout, ça. Ah, ça me paraît pas mal du tout, ça. On a un truc, là.
Cascade. Let's go! Trop bien! 600 mètres par contre. Hein. Ça va, la zone pas trop compliquée, on n'a même pas utilisé de grenades ni rien. On va essayer de courir pour l'état des. L'état de mes colis. Parce que ça me ferait chier qu'ils soient trop abîmés. Allez, allez, s'il te plaît. Ok, on est bien, on est très très bien, je suis content. Ah mais attendez, parce que là, en fait, je viens de comprendre un problème. C'est qu'en fait, là, on peut traverser deux zones, en fait. On peut totalement traverser deux putains de zones. Si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de se dépêcher. Allez, faut que la pluie s'arrête, par contre, c'est pas cool. Ça dégrade de ouf. Allez, allez, allez. Ah. Au moins, on va être connecté au réseau qui râle. Oh, putain, un peu cher. Oh, non, c'est bon. C'est bon. Ah, je me voyais déjà faire le tour au décalenque. Ok, on est très bien, là. Très content. Choqué, pas déçu, je peux vous le dire. Allez. Oh non. Oh non. C'est ça, le piège. Attends, attends. Arrête, frère. Attends. Ok, les gars. Ok les gars, c'est la merde. Oh c'est la merde. Oh catastrophe. Oh non. Oh je suis reparti. Un aller simple pour l'enfer. Mais c'est pas vrai. Mais non. Reviens. Oh non. Oh non, tout est gâché. Ma vie n'est que gâchis. Oh non, ça passe sous l'échelle. Jusqu'au bout, ma vie n'est que. Oh non, j'ai envie de chialer, les gars. Non, là par contre, j'ai vraiment envie de chialer. Pourquoi ma vie est nulle? Sérieusement? Ferme ta gueule! À la foutre, j'y vais. Fais des grenades, mon pote. Moi, je les prends, j'ai rien à branler. Hein. Oh là là. Voilà. Rien à branler. Voilà. Je les prends tous, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est... on va se calmer, on va se calmer, c'est bon, c'est pas mal. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Ouais, il y a un truc de détruit, mais j'en ai rien à foutre. Mon cœur est détruit de toute façon. Mon cœur est totalement détruit. Allez, allez, tiens debout là, c'est bon. Hein. Va commencer à me casser les couilles comme un con. On récupérera tout le reste plus tard. Fais chier, putain. J'ai vraiment envie de chialer. Allez, on y va. Attends, 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 je... Le doute m'habite. Ça, on... décharge. Attends, 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 marchandise. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok. Ok, vite, il clope, allez. Aïe 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 aïe. Bon, je pense avoir perdu une échelle dans cette histoire et une grenade de niveau 2, ça me fait un peu chier. Faudra de la récupérer un petit peu plus tard, tu sais. Voilà. En attendant, direction la station météo. On va passer par où? On va passer par là, toi. Ah, mais la pluie, c'est terrible, hein. Ah, la pluie, ça détruit, hein. Sortez jamais de chez vous, hein. Oh, fait chier. En plus, je le sentais, je me disais, mais en fait, il y avait juste un tout petit truc rouge. Donc j'étais en mode, tu vois, tu sens, tu restes accroché à un infime espoir. C'était la fin de la vidéo, tout se passait extrêmement bien. Et je me suis dit, attends, il y a un petit carré rouge, ça,
Ça peut pas me tuer, tu vois. Eh ben, mon pote, ça m'a détruit. Y'a plus rien qui va, bordel. Allez, on se dépêche. On rechargera les batteries là-haut. Et ben voilà, il peut plus. En tout cas, presque plus. Bon, j'ai utilisé une échelle aussi. Oh non, je suis... Ah, ça va, c'est pas grave. On va pouvoir largement construire plein. Parce que concrètement, j'ai jamais construit d'échelle et tout. J'utilise pas assez mon stuff, je le sais. Mais bon, en attendant, est-ce qu'on fait pas du S, nous ? Hein ? S'il vous plaît. Voilà, regardez comme c'est beau. Si on en prend plein la gueule. Bon ! Allez, on dépose ça là-dedans. Eh ben tiens, vous savez quoi? C'est en train de recharger les batteries, hein, maintenant, quoi. On va s'arrêter juste ici. On est très très bien. On a la commande, c'est le principal. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde! Ciao, ciao.